À quelques jours du sommet Union européenne-Union africaine prévu la semaine prochaine à Bruxelles, Ursula von der Leyen a annoncé 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique au cours des prochaines années. La présidente de la Commission européenne a fait cette annonce ce jeudi depuis Dakar au Sénégal. Au sommet, les investissements seront au cœur des discussions, car ils sont les moyens de notre ambition partagée. Dans ce domaine, l'Europe est le partenaire le plus fiable pour l'Afrique et de loin le plus important. Cette promesse d'investissement en Afrique s'inscrit dans le projet européen dénommé Global Gateway, qui doit mobiliser plus largement jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés dans des projets d'infrastructures à travers le monde d'ici 2030. L'argent doit notamment aller aux énergies renouvelables, mais aussi à l'accès au réseau Internet, au transport, à la production de vaccins ou à l'éducation. Ce projet est perçu comme une riposte aux nouvelles routes de la soie tracées par la Chine qui continue d'étendre son influence sur le continent africain.